et ce mélange d'images, ces archives personnelles aux archives générales d'une histoire, etc. Et ce parallèle entre l'histoire intime et la grande histoire, comme il dit, ça aussi c'est très intéressant. Mais j'imagine que c'est venu peut-être après. C'est venu intime. Après, mais il a été conditionné par ça toute sa vie, en fait, sans le savoir. Parce que ce qu'il le dit là-dedans, mais il se dit tellement de choses, alors de temps en temps, ça fait partie du refoulement, on regarde et puis on refoule simultanément quelque chose. Et là, il en parle. Effectivement, il joue au théâtre. C'est un excellent acteur de théâtre, un comédien de premier rang, Eric. Et il était en Suisse. Et vous savez, en Suisse et oui, en Allemagne, il y a des cimetières qui sont dans la ville. Et puis, mu par une impulsion, il va se promener là. Et il le dit très sobrement, parce que justement, il est très sobre. Mais il se retrouve dans la partie enfant du cimetière et puis il s'effondre en larmes, mais sans comprendre vraiment ce qui lui arrive. C'est-à-dire, il est marqué par un affect qu'il ne peut pas dépasser. Il pleure et puis il regarde cette tombe d'enfant, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et donc, petit à petit, il va remonter, c'est une enquête comme une enquête policière, il va remonter tout le fil de l'histoire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et même son... Après, il se rend compte rétroactivement, parce qu'il a fait justement une tranche d'analyse, comme on dit, bien que nous ne soyons pas des saucissons, on fait des tranches. Donc, il a fait un petit travail analytique et il s'est rendu compte que même le fait, alors qu'il s'était inscrit en médecine et qu'il visait d'autres études, mais le fait de devenir comédien, ça a été pour lui le moyen de mettre en lumière quelque chose qui était dans l'ombre. Alors ça, vous pouvez le voir avec... Il y a trois plans dans le film, là, pour ceux qui sont spécialisés dans des études cinématographiques. Donc il y a un plan qui a été sorti du film et il réapparaît deux fois. C'est une fenêtre noire, hein, une fenêtre qui ouvre comme ça sur quelque chose de noir. On peut dire c'est le réel, c'est l'inconnu. Et la caméra s'avance doucement. Ça commence à s'éclairer un peu, mais il y a une grille. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui empêche encore de passer. Donc ça, c'est... En psychanalyse, c'est le symbolique. On commence à pouvoir poser des mots là-dessus, mais il reste encore beaucoup de noir. Et la caméra arrive malgré tout à traverser, on ne sait pas comment, la grille. Et ça, c'est un hommage que fait Eric Antonioni dans Profession Reporter. Il y a ce plan-là qui est magnifique, justement, et qui m'a raconté plusieurs fois. Et donc, c'est une citation cinématographique, justement, et que vous avez deux fois dans le film, c'est-à-dire sa volonté de se confronter au réel de ce qui a été masqué. On n'en sait rien. Il n'y a pas de mots là-dessus, justement. Le réel, c'est l'innommable, hein, de Beckett, ce qu'on ne peut pas dire. Et comme dit très justement Sigmund Freud, ce dont tu ne veux pas te souvenir, tu es condamné à le répéter. Donc il y a une leçon là immense, hein, dans ce film. C'est que, contrairement à ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, par exemple, sur les miracles de la génétique, l'intelligence artificielle, etc., tous ces trucs-là, en fait, ce qui se transmet réellement chez les êtres humains, la transmission, elle est d'ordre généalogique, pas génétique. C'est-à-dire que nous sommes justement les seules créatures à décoder la genèse. C'est-à-dire que, au fond, il n'y a pas de transmission purement génétique. D'ailleurs, un vrai généticien vous dira qu'un gène n'est pas isolable. Donc tout ça, c'est du business, hein, du business scientifique. Mais en vérité, ce qui se transmet, c'est les histoires. Et c'est les trous dans les histoires. Et donc là, ce qui s'est transmis d'une génération à l'autre, vous avez vu le passage de la mère à qui on a caché la mort de sa propre mère et qui, malgré tout, donc ne peut pas parler, elle ne peut pas dire la vérité. Et tout le monde a ri, enfin, silencieusement, mais quand elle dit, bah, nous, on, quand même, moi, je ne mens pas à mes enfants. Ben, oui. Et c'est là où la vérité, parce que tout à l'heure, on me questionnait sur la psychanalyse, et donc j'ai parlé de la vérité qui touche au réel. Même la mère d'Eric, là, elle dit la vérité.
Parce que la vérité, ce n'est pas le vrai. C'est autre chose. Georges Braque disait « la vérité n'a pas de contraire ». C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est lié au désir, qui structure son existence. Et comme ce qui compte, ce sont les signifiants qui sont mis dessus, c'est-à-dire le système symbolique qui donne accès au réel, elle s'effondrerait sinon. Donc elle a commencé à mentir très tôt, parce que sinon, c'est impossible de supporter cette histoire où il y a autant de trous. Donc elle s'invente des identités, donc des prénoms, des dates de naissance, etc. Alors Balthazar, en plus, moi, j'ai connu Eric grâce à Balthazar, parce que mon fils Gabriel, qui a 2 ans de moins que Balthazar, était dans la même classe que Balthazar. Et donc, pas dans la même classe au sens du grade, parce que Balthazar était en moyenne section, et Gabriel en toute petite section, il a 2 ans de moins. Mais Eric, un jour, je ne le connaissais pas, donc il est venu vers moi, il m'a dit « C'est vous le papa de Gabriel ?» J'ai dit « Oui ». Et donc il m'a dit « Mais votre enfant est extraordinaire, hein, parce que c'est déjà un homme en miniature. » C'est vrai que Gabriel, il a ce truc-là. C'est que, comme il savait que ça me faisait tellement de la peine de le laisser à l'école maternelle, comme ça, au moment de partir, il faisait semblant de jouer avec d'autres enfants. Il regardait comme ça pour que je puisse m'en aller tranquille. Et là, j'ai appris dernièrement que Balthazar fait la même chose, en fait, avec son père. C'est-à-dire qu'il ne parle jamais du grand-père qu'on voit là, hein, du père d'Éric, qui est mort à l'hôpital, là, quand vous le voyez quand il est chauve, qu'il a le cancer. Et en fait, samedi dernier, enfin pas le samedi qui est là, mais celui d'avant, Eric m'a dit, tu sais, j'ai appris que Balthazar parlait beaucoup de mon père, mais jamais à moi, pour ne pas me faire de la peine. Donc voilà ce qui se transmet. C'est pour ça que ce film-là est à la fois, vous avez vu, un manifeste plastique. C'est très beau. Hein. Je sais que Thierry est très sensible aux images d'Eric. C'est un très bon réalisateur. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose d'universel dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est une histoire hyper singulière, et pourtant, nous sommes touchés par sa dimension universelle. Parce que ce qu'il appelle le vœu de mort chez les enfants, ce n'est pas que chez les anormaux. Il ne faut pas croire. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, de ce qu'on a vu un peu hier soir avec Mulholland Drive, dans l'inconscient, des pulsions. Il y a quelque chose de drôle pour comprendre ça. Il y a une expression qui est très connu, qui dit « il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ». En psychanalyse, on pense que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut jeter le bébé et garder l'eau du bain. Parce que le bébé, à ce moment-là, c'est le moi de l'analysant. C'est-à-dire ce qu'il croit être. Et l'eau sale, c'est ses fantasmes, ses désirs d'agression, de vengeance, cet héritage de la pulsion de mort qu'on retrouve de génération en génération. Et quand elle n'est pas assumée par une génération, c'est la génération d'après qui la récolte. Françoise Dolto disait qu'il faut 3 générations pour faire un psychotique. Ça, en fait, ça ne se perd pas. C'est-à-dire que nous sommes chacun, en tant que sujet, appelés à avoir une éthique et à nous confronter à notre propre réel et à notre propre pulsion de mort. C'est pour ça que, pour très singulière que soit cette histoire, elle contient un universel. C'est ce qui fait la beauté de ce film. Oui. Là, c'est un film d'artiste. Qu'est-ce que peuvent faire les images ne peuvent pas les mots. Alors, ça me fait penser à Gérard de Nerval, donc, qui, vous le savez, a été abandonné par sa mère, lui. Sa mère était l'épouse d'un officier napoléonien. Et elle a laissé Gérard de Nerval abandonné tout seul. Et la phrase de Nerval, on peut dire que c'est peut-être la quête d'Éric, ces images, c'est une image que je cherche et rien d'autre. Et donc c'est comme si tout ce film était basé avec sa résolution finale où il a retrouvé une image enfin de Christine, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'incarnation, même si il sait, lui, que c'est fictif, au sens où c'est une fiction, est obligé de se raconter une histoire, mais il peut mettre une forme là-dessus. Voilà. Parce que sinon, vous avez vu ce passage-là en Sicile avec tous les morts, là, c'est très impressionnant, parce que seuls les morts sont réellement ce qu'ils sont, c'est-à-dire des cadavres.
Nous, nous sommes toujours quelqu'un d'autre. Nous sommes toujours en train de nous raconter une histoire et nous sommes dans l'altérité, dans la relation aux autres en permanence. Nous sommes toujours altérés, nous sommes toujours en train de mourir et nous sommes autres. Et là, dans la qualité de l'image, on peut retrouver un point d'ancrage formel, ce qui permet justement à Eric de faire ce travail merveilleux. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, la plupart des... Enfin, aux deux présentations auxquelles j'ai assisté, on lui demandait « Mais est-ce que votre mère a vu le film ?» Non. Eric a amené sa mère au Maroc sur la tombe. Voilà. Mais il ne s'est rien dit. C'est-à-dire, il y a des choses, on ne peut pas... violer le silence. On a vu hier soir le silence comme degré le plus élevé de la parole. C'est pas pour autant qu'il s'est autorisé à parler à sa mère et qu'elle, elle dit quelque chose de plus. Ils sont allés comme ça, il l'a amenée, mais elle n'a pas vu le film encore. Se propose ce qu'on appelle la résilience. Donc, est-ce que c'est un travail de résilient? Est-ce qu'il a permis à sa mère de faire un travail Je suis pas. Ça, c'était non. Un concept plutôt psychologique et qui aplatit les enjeux du sujet. Donc, il n'y a pas vraiment de vertu à être malheureux, et ça ne donne pas de force supplémentaire, en vérité. Hein. C'est, chacun est convoqué à se confronter à son propre réel. Donc, c'est un enjeu de la vérité. Ça dépend le rapport qu'on a à la vérité. Comme dit Freud, même si je résiste à la vérité en fermant ma bouche, comme la mère qui ne veut pas parler... Ou dans le film d'avant, ils sont mutiques, la plupart des acteurs. La vérité va essayer de se manifester à travers ma gestuelle, par exemple. Je vais essayer de trahir d'une certaine manière. Donc c'est là que Freud découvre les lapsus, les actes manqués, etc. C'est une vérité qui cherche à se dire malgré nous. Donc il y a un chemin de la vérité. Et la vérité n'est pas belle à voir. Elle met toujours face à une sorte de honte, de culpabilité, etc. Parce qu'on découvre qu'on n'est pas des images, qu'on n'est pas idéaux, qu'il y a quelque chose même chez nos parents qui ne va pas, chez nos grands-parents. Toutes les images qu'on s'est faites sont susceptibles de se désintégrer. Et donc, c'est dans ce rapport à la vérité que nous sommes convoqués. Et ce que montre ce film, Eric ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas vivre autrement qu'aller chercher la vérité et puis l'exposer en plus. C'est-à-dire, ce qu'on a voulu cacher, eh bien, il va le montrer, puisque c'est même son destin de comédien et de cinéaste de se mettre en lumière et de mettre en lumière les aspects qui, normalement, sont dans l'ombre, comme ça, d'avoir une sœur aînée trisomique dont les parents ont caché l'existence, etc. C'est venu tout de suite ce parallèle entre le déni et l'insouciance de la décolonisation. Alors, c'est venu après parce qu'il y a un magnifique travail sur les archives. Alors, etc. Mais oui, ça, c'est typiquement Eric. C'est-à-dire que il ne peut s'autoriser ça. Et là, j'ai l'anecdote. Ça monte à 2 mois. Donc, on était en septembre. Il me dit, il faut absolument que tu viennes. J'ai une carte blanche à la Cinémathèque et j'aurais demandé... Alors, ils voulaient passer Carré 35, mais bon, ça, c'est normal, ils veulent ça. Mais moi, je veux passer 2 films particuliers. Donc, le premier, c'est un film de Imamura. Et c'est un des tout premiers films d'Imamura, très peu connu, où Imamura lui-même, avec juste un micro et sa caméra à l'épaule, il va chercher à questionner, à interviewer des prostituées japonaises qui ont été dupées et trompées par l'État japonais et qui se sont retrouvées obligées de se prostituer pendant 40 ans en Malaisie. Et ça, c'était le contrepoint de la grande histoire du développement économique faramineux du Japon qui, tout en étant un pays d'Orient, devient une grande puissance à l'égal des puissances occidentales, etc. Et lui, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que le refoulement de la mémoire de ce qu'on appelle les événements, puisque c'est ça,
quand vous entendez les actualités, là, il a fait un contrepoint, comme on a vu hier la scène dans Mulholland Drive. Là, vous voyez, vous entendez la bande-son, c'est-à-dire la France va aider les colonies, terre prospère, etc. Et on voit des mecs en train de se faire flinguer par les soldats. Hein. Donc, tout ça est refoulé, c'est du mensonge. Voilà. Et il s'agit que la vérité advienne et qu'il y ait une possibilité de se saisir de la grande histoire par la petite histoire, c'est-à-dire l'histoire du sujet intégrée dans les signifiants d'une époque. C'est cette correspondance-là qui peut faire justement la possibilité d'une œuvre. Et c'est ce qui fait justement son caractère universel et la qualité de cette narration-là. Et bien, c'était la même chose dans le film d'Imamura, où il s'implique vraiment totalement dans la vie de cette prostituée qu'il retrouve de 75 ans. Et il arrive, en fait, à la persuader de rentrer au Japon et de préparer son rapatriement, etc. Et il adore ce film-là. Et puis l'autre, là, qu'on a vu, qui s'appelle Onibaba de Shinyo, qui est un film japonais aussi excellent des années 50, 56, je crois. Et donc ça, c'est vraiment l'univers d'Eric, c'est-à-dire des films comme ça, où Imamura, justement, c'est celui qui a écrit un traité d'éthique du cinéma. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire au cinéma. Mais c'est un livre qui date des années 60, peut-être, hein, où il dit très précisément, en fait, que jamais il ne faut permettre l'identification du spectateur. Il ne faut pas laisser la place à il faut pas manipuler les émotions. Il ne faut pas lui permettre de s'identifier et d'avoir une certaine jouissance par rapport à ce qui se passe. Donc il s'agit d'effleurer, mais de ne jamais être dans l'obscénité, dans le fait de forcer une émotion, etc. Et vous avez vu, c'est très émouvant ce film, mais ça effleure les choses de telle manière que vous n'avez pas l'impression de rentrer dans l'intimité. Il y a le respect, justement, dans cette manière de filmer et de montrer les choses, de respecter l'intimité, malgré tout, alors que les choses sont montrées. C'est ça la grande difficulté. Hein, pour dire, voilà, c'est l'inverse de Tarantino, si on veut. Hein. Voilà. Mais oui. Exactement, exactement. Oui, oui. C'est la vérité de son désir. Elle y peut rien. Voilà. C'est là où le travail analytique, c'est beaucoup de silence. Hein. Et ce qui est dit, alors, se dit sur le fond du silence. Et donc, ça vient lui donner son sens, comme quand elle... Là, il laisse le plan où elle dit, mais moi, je ne vous ai pas menti. Il laisse. Ça, c'est justement sa manière de ne pas juger. Hein. Paradoxalement, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de jugement à avoir. Personne ne peut porter un jugement. Il faut juste écouter, apprendre à écouter. Et donc, vous avez vu comme il écoute bien... Hein. Et il filme bien. Donc après, il y a une histoire et une fiction. Ça, c'est complexe, justement, pour les étudiants en cinéma. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on est dans le documentaire et quand est-ce qu'on est dans la fiction ? Non, parce qu'à un moment donné, je te rejoins, c'est au tout début, elle lui dit « Mais si, je vous en ai parlé. » Oui. Mais je pense qu'elle en a parlé. Comme tu disais, à un moment donné, les enfants protègent leurs parents. Je pense que le peu qu'elle a dit faisait qu'il y avait le fait qu'on ne pouvait plus poser de questions. Enfin, je pense que les enfants ont compris que ça s'arrête là, quoi. Mais oui, bien sûr. Mais je pense que c'est pour ça que ça reste. Enfin, je veux dire, il y a une parole quand même qui a été là, dite à un moment donné. Il savait qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose. Et c'est pour ça que ça revient. Je pense que ça ne sort pas du néant complètement quand ah même. Ah non, bien sûr. Hein. Il y a les traces de l'absence dans les paroles des parents. Et donc, c'est justement ce qui se transmet. C'est ça, les trous du réel. C'est ça, le noir dans la fenêtre. C'est-à-dire qu'entre les mots, il y a des absences, il y a du néant, il y a du rien. Et il s'agit de remonter là, parce que sinon, on va se faire engloutir par ce rien. Oui. Des images,
Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire, justement, c'est la beauté formelle. Hein. C'est-à-dire, la forme, c'est comme le retournement du fond sur lui-même. C'est-à-dire que derrière, il y a cette structure et cette beauté. Là. Même chez les enfants les plus monstrueux, il y a quelque chose de nous, de notre humanité. Il y a quelque chose de beau. C'est paradoxal, mais comme dit Rilke, le beau n'est que le dernier degré avant le terrible qui nous engloutirait. Donc c'est la dernière limite. Donc oui, effectivement, c'est très beau. Hein. Il a une manière de faire des images. C'est un excellent photographe, Eric. Après avoir fini ce film, il y a un moment de très forte décompensation. Hein. Parce que tant qu'il est tendu par la vérité et tendu par l'idée d'accomplir une forme, bon, ben, le désir, on n'est plus malade, on a plus de bobos quoi, hein, quand on a quelque chose à faire comme ça, puisque on est dominé par le désir de faire et d'accomplir, surtout formellement, artistiquement, c'est très stimulant, hein, on ne peut pas s'en passer. Enfin, rien que quand on fait des images ou qu'on écrit des textes, c'est complètement prenant. Et après ça, il a eu une période un peu de difficulté, parce que avant de passer à autre chose, bon, Eric, en plus, il est sollicité par le théâtre, le cinéma, et puis il y a toutes sortes de rôles et toutes sortes de gens qui le veulent. Alors il y a des trucs très bien. Mais il y a aussi des projets totalement stupides, là, des projets de télé ou même de cinéma qui sont complètement crétins. Et donc, il fait son choix là-dedans et il essaye de faire en sorte de choisir des rôles qui ne font pas trop perdre son temps, quoi, parce qu'il s'investit totalement. Et moi, par exemple, la dernière fois, il m'a dit, au fond, les seuls moments où je suis vraiment heureux, c'est quand je suis sur les planches en train de dire les mots d'un autre. Alors, mais bien sûr, parce que là, lui, il est tellement précis dans l'apprentissage des textes. Moi, j'ai vu apprendre tout Beckett ou tout Artaud, par exemple, et se demander si la virgule est la place là ou là. Et donc, il répète devant les théâtres vides, comme ça, il est dans la perfection du texte. Donc, il n'a plus de moi, là, puisque... C'est, comme on l'a vu hier soir, ce n'est pas avec les choses que nous avons des problèmes, ni même avec les êtres. C'est avec les mots, c'est-à-dire avec l'intermédiaire entre nous et le monde. On est toujours médié par les mots. Et donc, d'épouser une œuvre complètement comme il le fait, il se coule dans un personnage, eh bien, là, à ce moment-là, il est bien. Mais c'est ce que disait déjà Devers. Alors, lui, il n'est pas comme Devers, hein, il ne se drogue pas, etc. Mais Devers, dès qu'il sortait d'un rôle, la vie devenait insupportable pour lui. Donc, mais Eric, il se met tellement dans ses rôles, c'est pour ça qu'il privilégie aussi le théâtre, le cinéma, parce qu'il y a quand même des rôles qui sont plus prenants et des textes qui sont beaucoup plus puissants. Vous pouvez le voir plusieurs fois, c'est comme Land Drive, ce genre de film qui se voit plusieurs fois. Et ça ne perd pas, parce que moi, c'est la cinquième fois que je le vois, là, j'ai pas décroché une seconde.